Chaque premier dimanche de juin, le prix du Jockey Club sacre le meilleur 3 ans européen sur 2100 mètres sur la piste de l'hippodrome de Chantilly. Épreuve très richement dotée, le prix du Jockey Club propose 1 500 000 euros d'allocation répartis entre les 5 premiers. Il s'agit surtout d'une compétition sportive de premier plan, mais aussi d'une sélection des meilleurs futurs reproducteurs. Le destin d'un vainqueur du prix du Jockey Club ? Devenir étalon. Mais en fonction de son propre profil, de l'élevage séculaire qu'il devra perpétuer, des volontés commerciales, de son entourage, de sa capacité à séduire les éleveurs, l'avenir d'un vainqueur de Jockey Club est toujours différent d'une année sur l'autre. Dalakani qui repart sur l'attaque de Super Célèbre. Dalakani s'impose à 50 mètres du poteau et la course gagnée. Super Célèbre est deuxième. Corner est troisième devant Touch of Land à distance de Papineau, Victoria Keita. Je crois qu'il y a plusieurs catégories de chevaux. Il y a les chevaux qui dominent leur génération et qui l'ont gagné, tel Dalakani. Et puis on a eu des chevaux qui étaient des chevaux tardifs, qui sont venus sur le tard, qu'on a pu préparer d'une façon très précise, avec leur fraîcheur surtout, et ce qui a fait une différence et ce qui a permis de gagner. Maintenant à 150 mètres du but, mais Reliable Man qui vient très vite en pleine piste, maintenant lancé par Gérald Demossé. Reliable Man qui a pris le meilleur, repartant de Bubel désormais. Reliable Man qui va s'imposer. C'est-à-dire que dans la promotion, c'est le meilleur 3 ans de sa génération. C'est la meilleure promotion, quoi. Donc c'est toujours quand même quelque chose de bien, de difficile à gagner, parce qu'on est quand même nombreux. Maintenant qu'on est passé à 2000 mètres, on est quand même beaucoup plus nombreux dans la course. Et donc c'est une compétition qui est très ouverte et qui est obligatoirement difficile. Gagner des derbies, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose que tout le monde essaie de faire, que tout le monde veut atteindre, puisque c'est vrai que ce sont des courses d'excellence. On élève pour arriver à remporter ces classiques, mais avoir des partants, c'est déjà bien. Et les remporter, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le Jockey Club, c'est la plus belle course de l'année pour les poulains de 3 ans sur la distance intermédiaire, on va dire, qui est quand même une distance très, très recherchée. C'est le classique de l'année. Il est très dur à gagner. En ce qui nous concerne, l'écurie ne l'avait pas gagné depuis 1978. On avait pris beaucoup de place, mais on ne l'avait pas gagné. Donc oui, il y a un objectif et une fierté d'essayer de pouvoir gagner cette course. Marcher sur les traces de récents lauréats du Jockey Club, c'est parcourir le monde du pur sang de France en Irlande, d'Angleterre en Nouvelle-Zélande. C'est aussi découvrir quelques-uns des plus beaux haras du monde, parmi lesquels Chevalet Park Stud, où officie à l'heure actuelle un télo. Il est le brillant lauréat de l'édition 2013 du prix du Jockey Club. Élevé au cœur de la Normandie, au haras de Saint-Léonard, pour ses propriétaires, les frères Vertemer, ce poulain made in France a dominé sa génération. Si la quantité peut certes parfois permettre de provoquer la chance, force est de constater que ce pur sang a été programmé pour devenir un compétiteur de haut niveau, de classe internationale, avec un objectif précis, gagner le Jockey Club. Alors, croisement d'un télo était assez naturel. Bon, d'abord, à sa mère impressionnante, était une très bonne jument. Donc, évidemment, on recherchait un très bon étalon confirmé pour débuter. Et il y avait beaucoup de vitesse, donc on cherchait également à ramener un petit peu de tenue. Et enfin, bon, c'est un croisement qui avait été essayé beaucoup de fois et avec beaucoup de succès, Galiléo sur Dane Hill, qui avait déjà fait Théophilo, ensuite Frankel, Golden Lilac, etc. Donc c'était... Et évidemment, il y avait également l'aspect physique, où le cheval physiquement allait très bien à impressionnante. Donc tous ces critères ensemble ont fait que c'était un choix naturel.
quand on fait nos croisements, on recherche toujours à effectivement avoir le meilleur résultat possible. Et c'est certain qu'on a une jument qui est garante de groupe, qui est seconde de poule d'essai, on espère que lui trouver l'étalon idéal pour faire le cheval parfait qui, s'il est bon en course, aura en plus le pédigré et le physique. Donc oui, c'est toujours le rêve qu'on a lorsque... Mais qui est beaucoup plus général, qui est lorsqu'on fait quasiment tous les croisements, on cherche à chaque fois le meilleur et d'arriver à complémenter en fait, les avantages ou les inconvénients de chacun des deux participants. À un moment, nécessairement, quand vous croisez du très bon au très bon, vous avez cette recherche d'excellence, on peut dire. Quand un télo est né, on avait au départ un poulain qui était très harmonieux, un petit peu léger dans son ensemble, si on voulait lui faire une critique dans les premiers jours. Mais très rapidement, il s'est développé et il s'est avéré que c'était notre meilleur poulain. Il a survolé sa génération entièrement pendant tout l'élevage. Alors, ce qui est également beaucoup de pression parce que voilà, c'est un poulain avec un gros pédigré qui physiquement se met à être au-dessus du lot. Au-dessus du lot, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'on avait eu par exemple Goldikova, qui elle, Yearling, était une pouliche anonyme, enfin, qui était sans défaut, mais qui ne sortait pas du lot, comme par contre avec un télo, ça a vraiment été, il a survolé toute sa génération chez nous. C'est-à-dire que c'est le poulain d'abord qui n'a jamais d'histoire, qui n'a jamais rien, et puis qui est très harmonieux, qui se développe parfaitement, et quand vous regardez 30-40 Yearling, tout le monde met celui-là au-dessus du lot. Donc voilà, c'est que vous avez effectivement un poulain qui a un physique très harmonieux et qui, dans son mouvement, dans son déplacement, fait que... Parce que là, il survolait, c'était même pas en pédigré, c'était il survolait en physique. Voilà, on parlait vraiment de l'aspect physique du cheval et de son développement. Après, vous avez toujours deux phases. Vous avez la phase où vous avez ce poulain qui est très beau, qui est un très beau yearling, qui part donc au débourrage et à l'entraînement. Mais après, le cheval, en fait, il va apprendre. Il va acquérir son travail foncier, tout. Et donc, pendant les 9 mois qui suivent, en considérant que ces poulains quittent l'élevage pour partir environ au mois de septembre ou octobre de leur année de yearling, jusqu'au mois de mai-juin de leur année de 2 ans, c'est la partie peut-être la plus ingrate parce que ils acquièrent donc leur foncier, ils sont en train de travailler, mais les entraîneurs ne leur demandent pas spécialement plus que ça, ni de précocité, surtout dans des maisons d'élevage comme nous, où on recherche pas spécialement la précocité chez les 2 ans. Donc c'est certain que cette période-là est toujours un peu plus longue et pleine d'interrogations. J'ai toujours pour habitude de dire qu'on ne transforme pas un cheval. Notre métier, c'est de faire en sorte qu'un cheval puisse exprimer son potentiel lorsqu'il sera en course. Mais vous pouvez avoir le poulain le plus beau et essayer de s'en servir le mieux possible. S'il n'a pas de moteur, le rêve s'arrête très vite. La tension monte, on se prépare ici sur les pommes de Chantilly. Les concurrents du prix du Jockey Club arrivent tout juste dans le rond de présentation. Le favori, nous le suivons, c'est le numéro 19, Intello. Grandissime favori, hein, tout de même Stéphane, il est très très appuyé à 3,40 €. Mais attention, ça n'est pas joué d'avance. Ça fait très longtemps, ce qui nous concernait, que si on à part évidemment les courses de Goldikova, mais ça faisait très longtemps que tout n'avait pas été écrit et tout le monde en faisait un favori quasi imbattable avant la course. Moi, j'étais effectivement inquiet de cette surconfiance dans le cheval. La chance qu'on a à ce moment-là, c'est de travailler avec des grands professionnels qui sont capables de ne pas avoir cette pression et d'être resté totalement concentré. C'est évidemment le cas d'Olivier Pellier, son jockey, qui était également très confiant mais calme. Et voilà, parti pour ce prix du Jockey Club 2013, 2100 mètres à parcourir à mon départ à l'extérieur de Milano. Comme chaque année, le prix du Jockey Club 2013 a fait le plein. C'est un défi de taille, parfois même osé pour certains. Pour un télo, c'est une question de destin. Oublier ses malheurs qui lui ont coûté une première victoire classique 3 semaines plus tôt à Longchamp, ses jours de gloire. L'instant où la vie du champion bascule dans une autre dimension, un télo jouera sur 2 tableaux, celui de la tradition de l'élevage
et celui d'une politique commerciale déterminée. Sawitch qui tente de venir avec Bravolino à l'extérieur qui vient de plus en plus fort en compagnie de Chicarpour. Un télo qui repart de plus belle maintenant avec à l'extérieur Morandi qui tente de l'inquiéter. Un télo devant Morandi avec Skyhunter qui se défend bien. Un télo qui va donner un nouveau prix du Jockey Club à Olivier Pellier. Morandi sera deuxième, la troisième place peut-être pour Skyhunter. Un télo est bel et bien le champion annoncé, lui qui a été le vainqueur moral. C'est certain que quand on gagne le Jockey Club, à partir du moment où le cheval rentre dans une autre dimension. Il a gagné en classique, il a un pédigré très joli, un beau physique. Donc c'est certain qu'à ce moment-là, rentre une double... Il y a une double carrière qui est totalement assurée maintenant pour ce cheval. Lorsqu'il a été décidé que le cheval rentrait à talons, on a été très courtisé. Beaucoup d'opérations internationales voulaient avoir le cheval chez eux, les talons chez eux. Et la première grande décision a été prise, c'était de garder l'intégralité du cheval sans en vendre la moindre partie. Donc, ce qui déjà fermait par définition quelques portes. Et ensuite, il y a eu un désir d'assurer au cheval une exposition internationale tout en innovant. C'est-à-dire qu'on a été, à ce stade, c'est je pense la première opération, à dire on va rentrer ce cheval en Europe, on va rentrer ce cheval 2 ans dans un pays et on annonce tout de suite qu'il sera 2 ans ensuite dans un autre pays. De temps en temps, vous avez des étalons qui sont relocalisés au bout de quelques saisons ailleurs en compagnie. Et là, on voulait avoir un message très clair dès le début. C'était voilà, on assure une exposition internationale à ce cheval. Donc 2 ans en Angleterre, puis 2 ans en France, de manière à ce qu'on puisse avoir un maximum de juments de qualité qui iront à cet étalon. Sur les structures en elles-mêmes, on a choisi de s'associer à des structures reconnues et également indépendantes, pouvant assurer que tout type d'éleveur viendrait au cheval. Donc on a travaillé avec Cheveley Park Stud en Angleterre, qui est un rat très, très reconnu et très sérieux depuis de longues années. Direction donc Newmarket en Angleterre. Exceptionnellement, le magnifique haras de Cheveley Park nous ouvre ses portes. Nous avons rendez-vous avec un télo. Le haras de Cheveley Park est le plus ancien de Newmarket. Des chevaux stationnent ici depuis plus d'un siècle. Cela remonte au règne du roi Athelstan au Xe siècle. 5 monarques ont eu des chevaux au haras de Cheveley Park, comme par exemple Édouard le Confesseur ou Édouard II. C'est donc un lieu chargé d'histoire qui a évolué avec le temps. Le duc et la duchesse de Rutland, les propriétaires du lauréat du derby d'Epsom, Cadland, ont fait planter beaucoup d'arbres sur ce site au XIXe siècle. Le colonel Harry McCalmont est ensuite devenu propriétaire à la fin du XIXe siècle et s'est illustré sur les pistes grâce à Isinglass, le vainqueur de la triple couronne anglaise en 1893, qui a ensuite fait la monte au haras de Cheveley Park. Ce pur sang détenait le record de gains avec plus de 57 000 livres sterling engrangés.